Salutations. Nous sommes le Conseil Arthurien et nous sommes heureux de communiquer avec vous tous. Vous êtes au milieu d'une vague massive d'énergie sur Terre. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec ces énergies parce que vous avez le libre arbitre et parce que vous êtes des êtres créateurs. Vous créez avec de l'énergie. Que cette énergie soit une pierre ou une pensée, qu'elle soit une douleur ou un son. Vous créez avec de l'énergie. Et lorsqu'il y a de nouvelles énergies sur vous, comme c'est le cas actuellement, vous pouvez créer ce qui est nouveau et ce qui était inconnu de l'humanité avant ce moment. C'est ce qui fait que tout est passionnant d'être sur Terre aujourd'hui pour vous les humains. Vous pouvez aller d'où vous étiez à là où vous allez. Vous faites l'expérience du mouvement, de l'évolution et de l'expansion. Et ceux d'entre vous qui le font consciemment surfent joyeusement sur la vague de ces énergies. Vous pouvez le faire parce que vous avez décidé de venir ici sur la planète Terre pour passer votre vie dans un lieu physique dense avec beaucoup de polarité. Maintenant, ce que vous pouvez faire dépasse peut-être le niveau de conscience de votre esprit physique, mais cela devrait vous enthousiasmer. Il est très concevable que ce qui vous est inconnu pour vous peut vous mettre dans un état de peur ou d'excitation. Si vous êtes plus orienté positivement, vous irez vers ce lieu de l'excitation. Si vous êtes plus orienté négativement, alors vous irez vers le lieu de la peur. Le choix vous appartient. Encore une fois, c'est ici votre libre arbitre. Utilisez-le pour choisir, pour emprunter le chemin positif, pour vous ouvrir à des énergies et des expériences de plus en plus élevées, pour vous connaître d'une manière que vous ne vous êtes jamais connu auparavant. Alors, écoutez votre cœur. Soyez conscient de vos désirs. Ayez confiance qu'ils peuvent se réaliser. Ils ne se réaliseront pas seulement grâce à un être, un quelconque Dieu, très gentil et aimant, qui exauce vos souhaits. Non, ils se réaliseront grâce à vous. Et parce que vous en avez le pouvoir, vous avez le pouvoir d'accéder à n'importe quel rêve, à n'importe quel désir, à n'importe quelle manifestation. Vous avez tous ce pouvoir en vous et vous l'avez toujours eu. Alors maintenant, vous entrez dans ce pouvoir et vous utilisez l'aide qui vous provient d'en haut. C'est ainsi que cela fonctionne réellement. C'est grâce au travail d'équipe. C'est par une union de toutes les forces. C'est par la fusion du non-physique avec le physique que l'on obtient les résultats souhaités. Et il est temps que davantage d'humains le reconnaissent, afin que vous puissiez bénéficier de ces connaissances. Vous êtes là pour aller au-delà de ce que vous avez été
et vous pouvez le faire consciemment et délibérément, sans savoir exactement vers quoi vous vous dirigez à chaque instant. C'est ce qui est excitant, c'est de pouvoir apprécier ces cadeaux. Et vous recevez de plus en plus de cadeaux. Lorsque vous vous sentez plutôt bien et aligné avec votre source, vous pouvez déplacer des montagnes. Vous pouvez aller dans des endroits où vous n'êtes jamais allé auparavant. Et vous pouvez expérimenter de nouveaux sommets d'extase. Ne vous limitez jamais en regardant autour de vous et en vous demandant ce qui est possible. Votre pensée sera alors de vous laisser déterminer ce que vous pouvez voir plus loin et parce que d'autres personnes l'ont fait et accompli dans leur vie. Vous êtes censé aller au-delà de ce qui a été et vous le faites en restant dans votre corps, en étant présent, tout en remarquant que vous disposez actuellement de cette énorme quantité d'énergie que vous pouvez utiliser de toutes les manières qui vous conviennent. Nous sommes le Conseil Arthurien et nous avons apprécié communiquer avec vous aujourd'hui. Et nous vous remercions infiniment. Merci. Merci. Merci.